content de tout ce soir. Bah, très content de mon départ, hein, parce que je pense que c'est un prog et qu'il se passe super bien. Et oui, on cache le bruit là, il démonte le rire, enculé. Et donc, pas de gros mots à la radio. Ouais, donc à Prague, ça se passe super bien, et puis bah, quand je reviens pour le cash, ça se passe encore mieux. Ah non, 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 putain, qu'est-ce qu'elle fait là, ah, yo. J'ai envie de ramener mon t-shirt David Asseloff. J'ai dans mon sac, mais la radio, il n'y a pas du mal, genre dommage. Ah bien, c'est pas une qui mes gars. C'est pas grave, bah attends, tu vois, c'est WR, c'est bien aussi. Et sinon, ce soir... Et sinon, est-ce que ce soir, tu t'es fait plaisir comme d'habitude, est-ce que les catcheurs t'ont fait plaisir? Comme d'hab. J'ai arbitré que les matchs qui m'ont bien plu. Deuxième partie du micro, là. Bah non, mais la deuxième partie du show était vraiment super, hein, y a pas à dire. Ça démarrait un petit peu doucement avec le match hier, le premier match de femme, je l'ai pas regardé. Après, à partir de Rico contre Vladek, etc., après la pause, les angles. Vraiment, l'ambiance sur la deuxième partie du show était vraiment géniale. Le niveau dans la ring était aussi super. Et bah, tout s'est vraiment super bien passé. Bien plus que ce qu'on osait espérer une heure avant le show. Et t'as pas été trop terrifié par la relève, comme tu l'appellerais avec plaisir? Pas du tout, parce que la relève est là, et Stuart Cain, tu l'écouteras dimanche soir, il fait un très très bon travail. Donc il n'y a rien à dire sur lui. On parle pas, là, il y a des plans, on coupera. Hein. On coupera. Alors, Vince, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, moi, depuis la dernière fois, ben, j'ai... À chaque fois que je parle avec Vince, c'est moi qui prends le contrôle du show, quoi, les animateurs qui sont niqués par les invités. Je suis censuré par ça. Ouais, ben voilà, ben, sinon, moi, j'ai encore une question à te poser. Je t'écoute. Est-ce que tu reviendras chez nous, par Fréquence CATCH, et est-ce que tu retiendras vos jours aux auditeurs? Oui, y a pas de problème. Bah, je sais pas si l'émission continue cet été. Alors cet été, ce n'est pas sûr. Peut-être pas à la même fréquence, ça prend l'hebdomadaire, mais en tout cas, ça prendra l'année prochaine normalement. D'accord, ok, parce qu'à partir de septembre, je sais pas si je serai à Strasbourg. Si je suis à Strasbourg, je vais passer plusieurs fois au cours de l'année. Si je suis pas à Strasbourg, moi. Mais ça n'empêche pas. Ta gueule, Stury, c'est moi l'arbitre. Non, c'est moi l'arbitre. Ta gueule. J'ai bien vu ça. Ah, une question, Vince. Mais bah, en attendant de venir nous voir, t'as peut-être un petit mot pour les auditeurs, ainsi qu'un petit mot de la fin pour toi. Bah, écoute, non. Non, mais écoutez l'émission, comme d'hab, les conneries, supportez le catch, allez dans les shows, venez à la SWA, et téléchargez comme ça, vous êtes dans l'inégalité totale. Parfait. Il faut supporter l'économie souterraine. Bon, voilà, sur ce, je vais clore l'interview, et puis je te remercie Vincent pour ces moments de micro. Allez, on a plus de mémoire sur l'enregistreur. Ciao. Merci.